Je trouvais un peu difficile le jeu. J'ai compris la tactique, comment faire, mais super jeu d'aventure. De toute façon, je lui ai dit, ouais, bah, de toute façon, je vais avoir la FIFA 22 sur. Bien, yo les gens, c'est MDGaming974 pour cette toute nouvelle vidéo. Je vous dis encore une vidéo très spéciale parce que je compte en fait présenter ma collection de jeux de PS4. Mais si vous voulez, je peux faire un petit bonus. Vas-y, avant la fin de la vidéo, je vais vous montrer mes jeux de PS5 si vous voulez. Donc si vous êtes d'accord, je peux montrer mes jeux de PS5. Donc cette fois c'est parti, on va commencer tout de suite. Je pense par les jeux de foot, parce que j'en ai plein de jeux de foot, donc FIFA, autant dire. C'est parti. Donc on va commencer par le FIFA 14. Exactement, FIFA 14. C'est un bon jeu, c'est un bon jeu. Bon, vous allez être choqués parce que j'avais acheté le jeu il y a pas longtemps. En 2020, bien sûr. Franchement, FIFA 14, c'est un bon jeu. Sauf que FIFA 14, ce qui a changé, en fait, c'est que le graphisme, tu vois, c'était pas pareil. Le graphisme, c'était pas pareil du tout. On continue. Ah, on continue. Ça montre après. FIFA 15. FIFA 15. Ben, c'est un bon jeu, plutôt, FIFA 15. Pareil que le graphisme était pareil que FIFA 14. Sauf que il y a tout qui change, hein, tous les FIFA, ça change. C'est juste les maillots qui changent en fin de compte. Mais bon, pour vous dire, c'est un très bon jeu, FIFA 15. Graphisme, c'est vrai que le graphisme de FIFA avant, c'était pas pareil, c'est vrai. Et puis voilà, donc j'ai rien à dire pour FIFA 15 aussi. Ensuite, FIFA 16. FIFA 16, oui. FIFA 16 aussi, c'est aussi un bon jeu. C'est aussi un bon jeu de FIFA. Comme c'est en fait, quand je joue FIFA 16, en fait, c'est directement ici là, c'est à ce moment-là que on dirait le graphisme va changer. C'est là qu'on découvre en fait que le graphisme de FIFA va changer bientôt. Mais pour vous dire, FIFA 16, c'est un bon jeu. C'est cool quoi. FIFA 16 aussi, rien à redire. On continue. Avec FIFA 17. FIFA 17, oui. Dans FIFA 17, ça reste. C'est aussi un bon jeu. C'est là, c'est à FIFA 17 que on découvre que le graphisme a changé. Tout a changé. C'est là que le moment, tout a changé. Désolé. En plus, il y avait l'aventure d'Alex Hunter dedans. Et franchement, pour vous dire, l'aventure d'Alex Hunter, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment apprécié l'aventure d'Alex Hunter sur FIFA 17. Parfois, j'y rejoue aussi pour faire l'aventure d'Alex Hunter. Franchement, c'est super. FIFA 18. FIFA 18. Pareil. Jusqu'à là, j'aimais bien. À ce moment-là, j'ai beaucoup aimé parce que. En plus, il y a la photo de Ronaldo dessus. Il y a la photo de Cristiano Ronaldo dessus. J'aime trop CR7 en fait. Bon, pour vous dire que quand il y avait eu l'aventure d'Alex Hunter aussi sur FIFA 18, j'ai aimé. En fait, tant qu'il y avait l'aventure d'Alex Hunter, j'étais content en fait. Voilà, FIFA 18 aussi, rien à redire. On continue. PES 2018. Ça aussi, c'est un bon jeu, sauf que en vrai, PES, pour vous dire, en vrai, on est d'accord que PES, c'est pas vraiment ouf. Genre, tu vois, tu cours très lent comme ça là. Tu cours très lent. En plus, c'est difficile à marquer en plus dans PES. Bref, c'est un bon jeu. Mais je suis beaucoup, beaucoup ralenti. Quand je cours comme une grosse tortue. Et tandis que l'adversaire, lui, il court comme. Le gars, c'est Sonic en fait. Lol. Bon, on continue. FIFA 19. Encore là, encore CR7 dedans. Pour vous dire, j'étais encore content quand il y avait l'aventure d'Alex Hunter. Jusque-là, j'étais fier. Bon, c'était un super bon jeu, FIFA 19. Bref, imaginez que l'aventure d'Alex Hunter reviendra prochainement. Mais Askip, au fait, les gars, Askip,
FIFA 19, désolé, c'est l'un des FIFA les plus appréciés. Et mes cousins, ouais, ils disent, ouais, FIFA 19, c'est le meilleur jeu, tout ça. Ok, j'ai. Moi, je suis le seul à rien dire. Franchement, pas mentir, pour être honnête avec mes cousins, ou tous qui disent, ouais, FIFA 19, c'était bien. C'était, ouais, j'avoue. On continue. C'est à ce moment-là, j'étais hyper déçu. FIFA 20. FIFA 20, c'était là, j'étais un petit peu déçu. C'est là où a commencé Volta. Et c'est là que l'aventure X-Hunter a disparu. J'étais en mode, non, l'aventure X-Hunter. Bon, c'est pas grave. J'ai pu quand même y jouer un peu. Sachant que j'ai pris avant la... Je vous dis, hein, j'ai pris avant la sortie de FIFA 21. J'ai pris juste avant sa sortie. Donc j'ai pu jouer un petit peu. J'ai pu jouer un petit peu. Donc c'est cool quoi. Je vais essayer de grandir un peu même si ça date parce que FIFA 20, j'avais pas trop joué en fait. Pour vous dire. J'ai pas trop joué à FIFA 20. Voilà. On continue. FIFA 21. Le moment où Mbappé arrive. C'était super FIFA 21, franchement. FIFA 21. Ouais, c'est super. J'avais eu FIFA 22 sur la PS4. Sauf que j'ai donné. Enfin. Ouais, j'ai donné. Ouais, exactement, j'ai donné en fait. J'ai donné. J'avais FIFA 22 sur PS4. Sauf que ben, j'ai donné. J'ai donné à mon parrain parce que. Il avait pas FIFA 22. Et moi j'avais. Et juste avant que j'allais avoir la PS5, de toute façon, j'ai dit. Ouais, bah, de toute façon, je vais avoir la FIFA 22 sur la PS5. Donc, voilà. Bon, FIFA 21 pour vous dire. Le football, il a changé. Le football, il a changé, tu vois. Oui, donc, c'était un super bon jeu. FIFA 21, c'est un bon jeu. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup FIFA 21. C'est vrai que c'était cool. Ce qui m'aurait plu, c'est en réalité que je jouais à. Désolé. Que je jouais à FIFA 21, mais en carrière. C'est vrai qu'en carrière, c'est super pas mal. C'est vraiment pas mal en carrière, tu vois. Donc voilà. En plus, qu'on peut jouer les légendes dans FIFA 21, je crois. Ça part de FIFA 21, on peut jouer les légendes. Enfin, c'est ce que j'ai su en tout cas. Bref. Un bon jeu. On continue. Les FIFA, c'est fini. Exactement, c'est fini. On va passer aux autres jeux. Donc, je vais ramener la pile ici. On commence par Horizon. Donc, Horizon pour vous dire que. Horizon, ouais, c'est super comme jeu aussi. Hein. C'est un jeu d'aventure. Un super, super bon jeu d'aventure. Offert par YouTubeGame4, le jeu. À mon anniversaire. Donc, je fais une petite dédicace à YouTubeGame4 qui m'avait offert ce jeu-là pour mon anniversaire. Et franchement, merci à lui, hein. Ça fait presque quelques mois que je l'ai. Je sais pas, ça fait combien. Parce que sachant que j'ai eu début mars. Ouais, on est. Bah, ça fait 5 mois que je le possède le jeu. Franchement, Horizon. Super jeu. Super jeu d'aventure, franchement. J'y jouerai bien. On continue. En bas 17. Voilà, en bas 17. Désolé. Amba 17, ouais, ça va, c'est un bon jeu. Sauf que, en fait, c'est comme PES. J'étais un peu comme PES. C'était difficile, le jeu. C'était un peu difficile. J'ai essayé un mode facile pour commencer. Parce que, bah, je connaissais pas du tout, j'ai jamais joué. Et même ça, c'était difficile le jeu. Mais bon. Mais bon. Appréciable, appréciable. On continue. Mortal Kombat. Mortal Kombat, franchement, un super bon jeu de guerre. Pour vous dire, mais c'est Mortal Kombat 11, franchement, c'était. Et c'est trop vulgaire en fait. Et les combos, c'est trop vulgaire, je vous dis ça. C'est trop bien, mais c'est. Bon, on dirait que c'est vraiment trop vulgaire le truc. C'est trop vulgaire. On continue. Uncharted 4. Thief End, franchement. Uncharted, moi qui avais joué depuis que j'étais tant petit. J'ai voulu revivre mes passions de Uncharted, tu vois. Et franchement, Uncharted est un très bon jeu d'aventure. Franchement, j'apprécie beaucoup Uncharted. C'est super. J'ai rien à dire.
On continue avec Destiny 2. Destiny, pour vous dire, ça va, c'est super. Désolé. Destiny, pardon, c'est super, c'est un bon jeu. Même ça, Destiny, j'ai rien à dire. Je n'ai rien à redire. On continue avec Ratchet & Clank. Ratchet & Clank, franchement, même ça, j'ai voulu y rejoindre Ratchet & Clank, un nouveau Ratchet & Clank, parce que, en fait, j'avais sur ma PSP, et du coup, je voulais me dire comme ça, ouais, vas-y, tu sais quoi, vas-y, je vais penser à avant, vas-y, je vais reprendre Ratchet & Clank. Pour vous dire, c'est tout a changé, mais ça reste un bon jeu quand même. J'apprécie, ça va. J'apprécie. En plus, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas dit, mais en fait, j'ai pris ça pendant que j'étais en voyage. J'étais en voyage et le jeu. Donc le jeu, j'ai pris quand je suis parti voyager dans un autre pays. Là-bas, j'étais parti à l'île Maurice. C'est là-bas, c'est bel et bien là-bas que j'ai acheté ce jeu. Je vous jure. Et franchement, carré. Sauf qu'en fait, regardez, les titres, comme vous pouvez le voir, c'est écrit en anglais. C'est écrit en anglais. On continue avec Crash Bandicoot. Crash Bandicoot, franchement, j'apprécie aussi. J'apprécie aussi. J'ai assez bien aimé, même si j'ai pas trop joué à Crash Bandicoot, c'était quand même super. Lego City Undercover. Alors ça, pour vous dire, ça c'est la version GTA en Lego. Le truc, c'est GTA en version Lego, en fait. C'est vraiment super. Le truc, c'est GTA en Lego. C'est tout ce que j'avais à dire. Je prends Lego City Undercover, c'était super. Un bon jeu. Et j'y rejouerai si jamais, plus tard. Je sais pas quand. On continue. Lego World. Alors, Lego World, pour dire, c'est super comme jeu aussi, hein. En fait, j'ai tous les jeux que je parle, j'ai tous dit super jeu, en fait, voilà. Ben, c'est super comme jeu, sauf que, désolé, que le truc, c'est que j'ai pas réussi à avancer, enfin, j'ai jamais fini Lego World, jamais fini le jeu, mais bon, au début, ça reste un bon jeu, mais quand j'y suis bloqué, ben, c'est plus trop bien, en fait, mais bon. Le fait qu'on peut construire, c'est super. Mais bon. Ça m'empêchera pas d'y jouer. On continue. Pour l'avant-dernière pile, parce qu'en fait, je n'ai pas dit c'était l'avant-dernière pile. Dragon Ball Xenoverse 2. Alors, Dragon Ball Xenoverse 2, c'est appréciable. C'est très appréciable le jeu. Franchement, j'y rejouerai. Parce que, franchement, c'était un bon jeu de combat, Dragon Ball. Sachant que je suis fan de Dragon Ball, au fait. Franchement, parce que tu peux créer ton personnage, tu peux avoir tes propres pouvoirs, tout ce que tu veux en fin de compte. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Modifier le style, tout ça. Et c'est cool. Je pense que j'ai rien à redire. On continue, mais cette fois-ci, c'est avec la toute dernière pile de jeux. Avant de passer au jeu de PS5. Après, je vais passer au jeu de PS5, je pense. Qui sont là. Qui sont juste ici, là. C'est juste ici. Ici, c'est la pile des FIFA. Non, ici, c'est la pile de... Oui, ici, c'est la pile des FIFA. Mais, ah bah oui, j'ai mis Dragon Ball sur la FIFA. Ça, c'est ma seconde pile. L'avant-dernière pile. Et là, on a la dernière. Minecraft. Bah, franchement, c'est un... Je sais pas si ça veut dire mon jeu préféré, mais moi, en fait, ce que j'aime dans Minecraft, c'est faire de la survie. Tant que je fais de la survie, c'est super. Mais quand je joue, mes cousins, ils disent, ouais, vas-y, vas-y. Et on fait du créatif. Mais moi, j'aime pas trop le créatif. Enfin, au début, j'aimais le créatif, mais maintenant, survie, c'est mieux. Survie, c'est hyper mieux. Bon, Minecraft, je sais pas si ça va devenir mon jeu préféré. Mais quand je dis quoi, Minecraft, c'était trop bien. Même là, Minecraft, ça reste trop bien. Même Minecraft, ici, ça reste trop bien. Donc, voilà. Dragon Ball Z Kakarot.
Désolé. Dragon Ball Z Kakarot, c'est aussi un bon jeu. C'est aussi un bon jeu. Sauf que à la mission où on devait battre Bou Enfant, c'est là que j'ai eu du mal. C'est vraiment super, mais c'est là que j'ai eu du mal parce que je pouvais pas faire retour en marche arrière parce que en fait je me faisais battre. En fait, il fallait que je prenais plein de trucs qui peuvent me régénérer un petit peu. À un moment, j'utilise trop de trucs tellement qu'il est trop fort. Donc en fait, ben, je me fais vite défoncer. Donc j'étais bloqué dans Dragon Ball Z Kakarot. J'étais bloqué dans le jeu, donc pareil comme les Go Wars, j'étais bloqué dans le jeu. Mais c'est super. Just Dance. Alors ça, c'était juste mon jeu de sport en fait. Donc en fait, si tu voulais faire de la danse et faire du sport en même temps, alors tu joues à un jeu vidéo et que tu veux jouer. Enfin, si tu veux faire du sport et jouer aux jeux vidéo, il suffit de jouer à Just Dance en fait. On continue avec Gran Turismo Sport. C'est aussi le jeu quand j'ai eu ma PS4, c'était ce jeu-là que j'ai commencé avec. J'ai commencé avec Gran Turismo FIFA 18. Mais en fait, je ne vous ai pas dit, mais en fait, j'ai pu réussir à récupérer les anciens FIFA. J'ai pu récupérer FIFA 17, 16, 15 et 14. Parce que je voulais revivre la nostalgie des anciens FIFA en fait. Désolé. Mais bon, c'est super comme jeu aussi. J'apprécie bien. C'est juste que j'aime bien aussi les voitures. Donc voilà. On continue. Là, pendant 3 jeux, ça va être du Call of Duty. Du Black Ops Cold War. Alors, mon cousin, d'après mon cousin, il me dit que c'est le super bon jeu. Call of Duty Black Ops Cold War. C'est vrai. C'est vrai que c'est un super bon jeu. C'est vrai. C'est le meilleur jeu. Et le graphisme est plutôt bien. J'apprécie aussi les armes. Tout ça. Ben franchement, j'y jouerai occasionnellement, peut-être. Continue avec Black Ops 3. Alors Black Ops 3, je vous ai pas dit, mais en fait, j'ai pas pu y jouer. Enfin, j'ai pu jouer un petit peu en mode zombie, mais je peux pas accéder au mode multijoueur de Black Ops 3. Parce qu'en fait, Black Ops 3 est sorti depuis 2015, et moi je l'ai depuis 2020, un truc comme ça. Et si vous avez une solution pour moi, dites-le-moi dans les commentaires. Parce que, en fait, je peux pas accéder au mode multijoueur, mais au mode zombie, j'ai pu accéder. Voilà. On continue. Mon Call of Duty Modern Warfare. C'est aussi un très très bon jeu. Le graphisme n'était pas pareil. Au début, quand j'ai joué, je trouvais un peu difficile le jeu. Mais après, ça va. J'ai pu m'habituer et maintenant, c'est assez facile. Voilà. Rocket League. Rocket League, c'est un jeu, je pense que c'est un jeu de base actuellement. Actuellement, c'est un petit peu la base. Rocket League, quoi, ben. Ouais, bah oui. Rocket League. C'est Rocket League, après. Donc, franchement, j'apprécie aussi Rocket League. Et puis voilà, pour l'instant, en ce moment, je joue pas trop. C'est rare que je joue, mais sur ma Switch. Dragon Ball Xenoverse. Alors, c'est différent que le Xenoverse 2. Parce que à un moment, j'étais un petit peu bloqué à la mission, il faut tuer C-17 et C-18. Mais tu vois, en fait, ce qui me dérange dans le jeu, c'est les coups. Tu peux donner que seulement que 5 coups. Mais il faut juste appuyer triangle et non, faut appuyer carré et triangle en même temps. Faire plusieurs coups en fait. Et bon, j'ai pu finir Dragon Ball Xenoverse. Mais ce qui est chiant, c'est qu'en fait, quand je recommence Dragon Ball Xenoverse avec un autre personnage, ça me. En fait, bah, quand j'ai tout fini le jeu, bah, j'ai plus de mission en fait. Le jeu, il est quasiment fini en fait. C'est juste que la dernière mission avec des migras, c'était hyper difficile, mais j'ai pu réussir. Voilà. On continue. Avant-dernier jeu, Need for Speed. Need for Speed Rivals. Oh, ça c'était trop bien. Ça j'ai pu finir. Mais en fait, ce qui est chiant, c'est que la mission de la fin, c'est chiant parce qu'en fait, quand je finis la mission finale, et ben, ça me remet encore la mission. Je ne sais pas pourquoi du tout. Aucune idée pourquoi. Mais bon, c'est un bon jeu. Star Wars Battlefront. Ben, rien à dire. J'ai pu jouer un petit peu. Mais bon.
Je croyais qu'il y avait un mode d'histoire, mais en fait, il n'y avait pas le mode d'histoire. En fait, j'aime bien les modes d'histoire sans les jeux. Mais franchement, je croyais qu'il y avait un mode d'histoire. Et franchement, j'étais un peu déçu. Mais j'ai pu jouer quand même, c'est super. Bon, je pense qu'on va passer à la partie des jeux de PS5 pour le bonus. A tout de suite. Voilà, on est. Voilà, c'est bon. Donc, mes piles de jeux PS4 sont ici. Elles sont juste là. Et là, on a les parties de jeux de PS5. On va commencer. FIFA 22. Alors, FIFA 22, là, c'est les versions améliorées. Les maillots, pour vous dire, j'ai très très bien apprécié les maillots. Moi aussi, le jeu. Quand j'ai joué en saison, ben. C'est bien de jouer en saison sur FIFA 22. C'est parfois t'as des gros cheaters, mais bon. Je réussis quand même à gagner des matchs. C'est un bon jeu. En fait. Et en plus, qu'il y a Mbappé dedans. C'est super. FIFA 22. Très bon jeu. J'aime beaucoup. En fait, j'avais rien à dire. Pour vous dire. On continue. Call of Duty Vanguard. Alors, Vanguard, j'ai depuis fin décembre 2021. C'est après que j'ai eu la PS5 que j'ai acheté Call of Duty Vanguard. J'avais acheté deux jeux. Ce jour-là, j'avais acheté deux jeux, je crois. Je sais plus c'était lequel. Mais oui, Vanguard, c'est super comme jeu aussi. En fait, le graphisme, c'est un peu comme. C'est pareil que Modern Warfare. C'est pareil que Call of Duty Modern Warfare, en fait. Donc, voilà. Bon, je suis désolé, mais en fait, si vous m'entendez parler comme ça, c'est que je suis un peu grippé. Donc, bon, c'est pas grave. Je m'en excuse. Grand Turismo 7. Alors là, et pour vous dire que. Non, Grand Turismo 7, pardon, c'était super aussi comme jeu. Vous savez pourquoi? Quand j'ai pu intégrer le jeu, j'ai pu avoir une de ces voitures qui fait 969 chevaux. Alors franchement, depuis que j'ai cette voiture-là, parfait. Mes deux voitures puissantes, c'était une Subaru, 1052 chevaux, je crois. Ouais, j'avoue, ça fait beaucoup, hein. 1052 chevaux, les gars. Ça pique. J'ai apprécié. On continue. Assassin's Creed, voilà. Bon, pour vous dire, j'ai pas pu tout jouer. Mais bon, ça reste un super jeu d'aventure. Je croyais que l'aventure allait plutôt être bien. Et bon, c'était pas trop ouf, mais appréciable. C'est le cas des jeux moins de 18. Watch Dogs Legion. Alors là, une grosse copie de GTA. Désolé. Une grosse copie de GTA, les gars. En plus, pour dire, c'est mieux GTA parce que. Un petit peu mieux parce que. On peut pirater les gens. Savoir où est-ce qu'ils vont. Et ce qu'ils font. Et puis voilà. Même si. Moi, je joue avec les gens, j'ai rien à redire. Franchement, ça reste bien comme jeu. En plus, on peut. J'ai oublié, on peut même pirater les voitures. On peut même pirater les voitures. C'est super. On continue. Avec Far Cry 6, celle-là aussi, comme Lego Wars et les autres jeux, j'étais bloqué dedans parce que pendant une mission j'étais bloqué parce que je me faisais tout en tuer dans la mission que je fais actuellement. Et du coup, bah voilà, pour l'instant je suis bloqué. Et depuis ça, bah, j'ai pu rejoindre Far Cry, mais j'essayerai d'y rejoindre Far Cry quand je peux. Quand je peux, je vais essayer de rejoindre Far Cry. On continue avec Spider-Man Miles Morales. Alors bon, c'est un bon jeu de Spider-Man. Sur moi qui est un peu fan de Spider-Man actuellement, c'est appréciable. C'est juste, j'étais bloqué dans une mission et depuis, ben, j'ai compris la tactique comment faire, mais depuis, j'ai pu rejouer. Mais comme Far Cry. Comme Far Cry, je vais essayer de rejouer aussi à Spider-Man Miles Morales. Les deux jeux que j'ai au début quand j'ai eu la PS5, en fait, c'était Spider-Man et FIFA 22. Et je crois que j'avais acheté, oui, j'avais acheté Call of Duty Vanguard. Quand j'ai eu mes quatre premiers jeux, j'ai acheté Vanguard et Watch Dogs Legion. En plus, j'ai, oui, vous allez dire, oui, je m'étais
3 jeux Ubisoft. Oui, exactement. 3 jeux Ubisoft. C'est. Zoé. Assassin's Creed. Watchdog. Et. Non, Assassin's Creed. C'est quoi? Oui, Assassin's Creed, Watchdog et Far Cry. Ouais. Bon, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. N'hésitez pas à suivre Endaxo. Le lien de sa chaîne sera dans les commentaires. Dans ce cas, tchuss, les gars!